Siamo nei bellissimi campi di lino della Normandia, del nostro partner Terre de Laine. Da qui nasce il più bel filato di lino al mondo, da cui il cotonificio Albini produce i più bei tessuti per camiceria. Albini da sempre sceglie il miglior lino europeo per la sua qualità, le caratteristiche uniche e la sostenibilità di questa fibra. La production de lin respecte les hommes et la planète. Et les atouts du lin européen, c'est à la fois un savoir-faire de production unique et une zone qui bénéficie d'un climat propice à sa culture. Et ces deux singularités font que sa production est non délocalisable. Abbiamo conosciuto gli agricoltori, gli stigliatori e abbiamo visto qual è la passione che ci mettono nella coltivazione di questa nobile fibra vegetale. Ça fait partie de l'ADN. Ça vient de nos parents, nos grands-parents qui nous ont transmis aussi un savoir-faire. C'est une plante qui se plaît dans notre sol, qui se plaît avec notre climat. Elle nous surprend tous les ans, elle nous passionne tous les ans, elle nous stresse tous les ans. Mais c'est vraiment le fer de lance de nos exploitations. Le lin est une plante qui croît très vite, à un cycle court de 100 jours. Donc il lui faut des températures relativement régulières, de la pluie tout au long du cycle, pour que la plante construise la fibre. La nature est maître, et donc d'un champ à un autre, ou même dans un même champ, selon l'historique, selon la météo, on peut avoir plusieurs qualités. C'est une fibre qui est très recherchée aujourd'hui pour ses qualités environnementales, écologiques. 100% de la fibre est valorisée. La graine, l'écorce, la fibre trouvent des débouchés marchés et on peut dire que c'est une fibre zéro déchet. À cela s'ajoute le fait que l'eau de pluie suffit à 99,9% pour l'irrigation des cultures. C'est une plante de printemps qui va être semée, on va dire, entre mi-mars et mi-avril et qui va commencer à croître lentement pour avoir une accélération de la croissance à partir de mi-mai lorsque les températures vont être un peu plus élevées et arriver à mi-juin à une hauteur d'à peu près 90 cm et c'est à ce moment-là que va avoir lieu la floraison. Ensuite, les graines vont se former et nous allons arracher le lin à la mi-juillet. Lorsque le lin est arraché, on le laisse au sol pour une étape qui s'appelle le ruissage. La pluie va mouiller les pailles de lin et le soleil va les sécher plusieurs fois de suite. L'agriculteur va un savoir-faire tout particulier parce qu'il va passer dans le champ avec une machine pour retourner les pailles pour que le ruissage se fasse de manière homogène. C'est une étape qui va imprimer la qualité de l'année. Il y a vraiment une notion de millésime. Évidemment, nous ne pouvons pas avoir une qualité uniforme dans les champs. C'est pour ça que nous identifions chaque boule de lin avec des étiquettes de couleurs. Ici, on a du jaune, le prochain lot sera rouge, et le prochain lot sera peut-être encore bleu. La Confédération européenne du lin et du chanvre, c'est la seule organisation européenne qui fédère, soutient et promeut le lin. Le groupe Terre de Lin et le groupe Albini sont adhérents depuis de nombreuses années à la Confédération européenne du lin et du chanvre. Et au même titre que l'ensemble des autres adhérents, nous collaborons ensemble très activement pour promouvoir les valeurs innovantes, créatives et durables de la fibre européenne à travers le monde. C'est une fibre qui regorge de potentiel créatif et cela en toute saison. Et on le découvre de plus en plus dans les collections qui défilent en Europe. Lino è una materia prima con una fortissima personalità che consente poi un'ampia sperimentazione stilistica. Il lino di Albini si presenta con mille aspetti, trame, mani originali, più o meno compatto, con giochi di trasparenze, grazie alla maestria di chi oggi plasma questa materia con grande tradizione e dimostrando un nuovo modo di essere, con un tocco di esclusività in tutte le sue interpretazioni.